Dans ma poêle, avec un peu d'huile d'olive, je fais revenir mes oignons émincés jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. J'assaisonne ensuite de sel. Ensuite, le miel. Et je cuis pendant 10 minutes. Quand mes oignons sont bien dorés, j'ajoute les noix grossièrement concassées. Ensuite, les épinards. Je mélange brièvement et puis je réserve. Je détaille mes tomates confites en petits cubes. Puis, dans un saladier, je fouette la crème fraîche avec le fromage de chèvre pour le détendre. Puis j'y ajoute les tomates. J'ai toasté mes tranches de pain de mie légèrement. Puis je répartis par-dessus chaque moitié de croque-monsieur. Mon mélange épinard, oignon confit, noix. Pendant ce temps, je mets à fondre mon beurre dans une poêle. Ensuite, je mets mon mélange fromage tomate sur le dessus. Puis je recouvre avec l'autre tranche de pain. Et je mets à cuire dans ma poêle jusqu'à ce que le fromage commence à fondre.